Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de mon unboxing partenariat de la boutique One Day Saving. En première partie, j'avais ouvert mon colis et j'avais eu donc un objet spécial citrouille avec un petit chat et j'avais eu des stickers Halloween. Je les ai terminés, comme ça je peux vous les montrer directement. Donc, voici la planche de stickers terminée. Donc là, les diamants sont tous mis. Et j'ai encollé aussi directement. Voilà. Donc voilà le résultat de ces petits stickers qui sont trop mignons. Et comme je vous ai dit, il faut que j'essaye de faire des petites ATC avec une carte, une pocket letter. Je vais voir ce que je vais en faire parce que j'ai d'autres stickers aussi Halloween. Donc c'est le moment de les utiliser. Donc voilà le résultat pour ces stickers. Donc pas de soucis particuliers, hein. Voilà, tout est bien placé, les bonnes couleurs, etc. Donc pas de souci, il me reste assez de diamants. Donc pas de souci particulier pour ces stickers. Et du coup, j'ai fait aussi cette lampe en objet spécial avec ce petit chat. Donc tout ça, j'ai fait ça en une journée. Donc, voilà, j'ai dû vous faire, enfin moi j'ai fait la vidéo le samedi après-midi, je l'ai commencé le samedi soir et j'ai tout fini le dimanche. Voilà, tout ça a été fait en une journée. Je voulais absolument les terminer pour que je puisse avoir tout ça de près pour Halloween, malgré que j'ai encore un peu le temps. Mais là, je voulais faire mes petites créations avec, et ça, je voulais vraiment voir le résultat. Donc, du coup, c'est moi qui ai monté tout ça, hein. J'ai pas eu besoin de mon mari. En même temps, c'était pas très compliqué. Voilà, ça l'a fait. Il y avait juste donc à mettre les petits bitonio avec les vis ici de chaque côté, et pas de soucis particuliers. Il me reste du coup un petit bidule là et pas mal de vis. Donc voilà, le petit tournevis et le double face que je n'ai pas utilisé. Le double face, je pense que c'était pour mettre cette petite lampe. Donc du coup, je l'ai mise derrière. Alors, ça vous donne ceci. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais voilà à peu près ce que ça donne et je trouve ça trop sympathique. Ça va faire une très très jolie déco. Donc là, c'est pour ça que je l'ai pas collée parce que si jamais elle est en panne ou qu'elle ne fonctionne pas, je sais que je peux en racheter. Donc elle est des deux côtés. Donc vous voyez la lampe, les petites ampoules sont ici. Donc là, je l'ai positionnée comme ça, mais quand je la mettrai correctement pour faire ma petite déco, je replacerai correctement les petites lumières pour que ça fasse super joli. Mais je trouve ça super sympa. Voilà, donc ça fait une très belle déco, je trouve. Ça donne un petit peu de lumière, donc c'est parfait. Très très jolie décoration. Donc pareil, au niveau des diamants, pas de soucis particuliers. Tout a été bien placé. Il me reste beaucoup de diamants. Donc voilà, on a de quoi faire avec ce style de produit. Donc je suis super contente de ma petite lampe chat et de mes stickers. Il faut que j'attaque à faire ensuite des petites créations avec. Donc, je vais du coup continuer l'ouverture du colis. Donc, il me reste encore deux produits. Donc, pareil, on est toujours sur du Halloween. C'est un unboxing spécial Halloween. C'est pareil, je ne vous avais pas dit au niveau du délai de livraison. Je ne crois pas que je vous l'ai dit sur la première partie de la vidéo. Il me semble que j'ai été contactée aux alentours du 13 septembre et j'ai reçu mon colis le 23 septembre. Donc, ça met à peu près entre 10 et 15 jours. Grand maximum 15 jours, mais généralement c'est plus une dizaine de jours. Donc allez, c'est parti. Voilà. Alors, j'ai pris aussi du coup un très grand sticker Halloween. Comme je vous ai dit, on est toujours sur la période Halloween. Donc ça va être fait aussi. Et je vais certainement le coller sur, une fois qu'il sera terminé, sur une feuille en couleur, donc peut-être orange, je ne sais pas encore. Donc on a un toolkit de base comme d'habitude. Et là, ce sont des diamants ronds et j'ai trois couleurs. Une, deux, trois.
Donc on a tout l'orange et on a du blanc et du gris. Donc ça, ça va être très très rapide à faire. Alors, il était un petit peu mal positionné. Je vais essayer de le mettre bien à plat pour que je ne sois pas embêtée pour le faire. Mais ça, voilà, c'est des produits qui sont super rapides à faire. Un petit sticker Halloween. Ce petit sticker, enfin, il est quand même assez grand. Allez, je vais le prendre au plus grand. Il fait ouais, presque 29. 29 et il est sur du 15. Donc c'est un très très grand sticker. Mais ça, ouais, coller sur une feuille, quitte à faire un peu de déco autour. Je réfléchis en même temps. Quitte à rajouter, vous voyez, un petit sticker là, je sais pas, je vais voir. En tout cas, lui, il va être forcément fait avant Halloween. Comme ça, je pourrai faire ma petite déco. Donc ce sticker, alors, je pense qu'il était à 2,70$, je ne sais plus, parce que j'ai marqué sticker Halloween et sticker Halloween fantôme. Donc ouais, je pense que celui-ci, il était à 2,70$ sur la boutique. Pareil, hein, je vous mets en barre de description tous les liens des produits que je vous montre. Et normalement, j'ai un code promo de moins 5%, si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce joli sticker. Ensuite, on a du coup un dernier petit produit. Ouais, on est bon. Alors, bah déjà, vous avez la photo, donc je ne vais pas vous montrer la photo directe. C'est très dur à ouvrir. Alors, donc pareil, hein, sur le thème Halloween. Alors, un objet spécial. Des diamants spéciaux, nous en avons 4. 4 couleurs, un jaune, un vert, un rose et un rouge. Nous avons le toolkit avec plein de petites choses à l'intérieur. Et nous avons du coup un produit à diamanter comme ceci. Donc c'est un attrape-rêve spécial Halloween. Donc il est à diamanter des deux côtés. C'est du plastique. Il est beaucoup plus épais par exemple que ma petite lampe. C'est beaucoup plus épais. Ça s'est enlevé ça. Hop. Donc à diamanter des deux côtés. Donc ça, ça va être rapide à faire. C'est du partiel, hein, le visage n'est pas à faire. C'est vraiment que le contour ici. Et le corps et les cheveux. Alors. Du coup, bah, je vais regarder sur l'image. D'accord, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous avez la petite chaîne pour l'accrocher. Et ici, vous avez des plumes et des petits, petits diamants. Ça, c'est la première fois que je fais ce genre de produit. Ok, on a deux petits anneaux qui sont dedans. Je vais les laisser dedans. Donc ça, ça doit être la petite chaînette pour l'accrocher avec les petits anneaux là. Nous avons les plumes. C'est très très joli. Nous en avons 4. Il nous faut 4 plumes. Et nous avons, ouais, j'ai eu peur, je crois qu'il m'en manquait un. Nous avons ces petites breloques. J'ai encore un autre anneau dedans, faut pas que je le perde, qui seront à accrocher tout en bas. Ça va faire super joli tout ça. Donc ça, bah, évidemment, je vous montrerai ce genre de produit une fois que ce sera terminé. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais les faire directement. Je vais les faire directement comme ça à la fin de cette vidéo. Vous aurez le rendu final de ces produits puisque c'est bien de faire des présentations. Mais c'est bien aussi de vous présenter les produits une fois qu'ils sont finis. Ça vous donne peut-être
ça vous donne le visu des produits terminés. Et je trouve ça sympa, surtout que là on est en période Halloween, donc si jamais vous êtes intéressé par ces produits, vous les avez vus comme ça brut, et moi je vais vous les faire directement, comme ça vous avez le rendu final. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ma vidéo là maintenant, je vais m'attaquer au sticker ainsi que cette petite, ce petit attrape-rêve qui est très joli, et je vous retrouve en fin de vidéo pour la présentation finale. A tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve quelques jours après pour moi et tout de suite après pour vous, pour que je puisse vous montrer du coup le résultat de ces diamond painting, donc une fois terminé. Donc, j'ai fait ce petit pendentif mural, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il est tout terminé, il est encollé. Donc, comme je vous ai dit, c'était des deux côtés. Donc, très bien à poser, hein, pas de souci. Donc, vous avez du coup une petite chaînette ici pour l'accrocher. Et du coup, j'ai accroché moi-même les petites pampilles comme ça. Donc, c'est très joli. Il faut juste que maintenant, je trouve une petite place pour le mettre. Mais voilà, c'est très sympa et très facile à faire. Même ça, accrocher, c'est très facile. Donc voilà pour celui-ci, et du coup j'ai fini aussi le grand sticker, donc Halloween. Donc ça c'est pareil, c'est hyper sympa à faire, très rapide à faire. Donc au niveau des diamants, pas de souci, il me reste encore pas mal de restes. Donc là vous avez juste hop, à le décoller ici, voilà. Donc il faut que je m'en occupe pour le mettre, je pense, sur une feuille... sur une grande feuille, je vais voir, pour que je puisse ensuite l'accrocher au mur. Ainsi que ça, il faut que je trouve une petite place pour le mettre. Mais voilà, le résultat fini. Ah bah voilà, il s'est enlevé parce que celui-là, ouais, je l'avais mal mis. Il n'est pas assez serré. Il faut que je le raccroche. Alors, j'ai mis où mes pinces là. Je vais l'accrocher correctement parce que celui-ci, il était mal mis. C'est le dernier que j'ai mis, du coup, et je l'ai mal mis. Voilà. C'est pas encore ça. Il faut que je le remette comme il faut. Donc, voilà pour le résultat de ces petits diamond painting, donc de la boutique One Day Saving. Je vous mets en barre de description tous les liens des produits que je vous ai présentés. Vous avez un code promo de moins 5% sur votre commande. Si, avec un code promo, c'est Candy0Off5Off, je ne sais plus. Mais je vous mets tout ça en barre de description. Voilà, donc voilà pour cet unboxing partenariat de la boutique One Day Saving. J'espère que tout ça vous aura plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.